pas essayer de faire concis, on va essayer de faire précis. Je vais tâcher de vous montrer un petit peu comment tout cela fonctionne, sans trop passer par la théorie, mais sans en oublier à la fois. 5, 7 cordes de si et 5 cordes de mi. Donc cinquième case, septième case, corde de si, la deuxième corde, et on s'arrête sur le la. Donc on va démarrer avec la double note, la petite diade, qui sonne un petit peu comme un klaxon, un vieux klaxon évidemment, puisqu'on est sur des vieux jazz. Cinquième case, septième case. Cinq, sept. Cinq, sept. Pull off, cinq. Sept, cinq. Au lieu de vous jouer un la 7, ça aurait été trop simple, je vais vous jouer un la 6. Alors c'est une petite simplification de la 6. Je vais pas regarder exactement où se trouvaient toutes les notes, mais je sais qu'ici en tout cas on a la tierce majeure, la sixte ou la treizième et l'octave. Donc si, oui, voilà. On va dire que c'est un la 6. En tout cas, moi, je vais l'appeler comme ça. Et je vais amener en slide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1. Donc ça va être vraiment ce placement des premières notes qui devrait vous poser le plus de difficultés. Mais on part du principe quand même que vous avez le niveau d'arriver à bouger vos doigts. Et là, c'est simplement sur deux cases, donc venez pas me dire qu'il y a trop de notes. 5, 7, 5. La petite diade. Donc là, vous allez faire le petit pull-off. 5, 7, 5, 7. Donc le deuxième accord, c'est le Ré 9. Et je fais ce petit changement, en fait. La même chose. Cinq, sept, et là, sept sur la première corde. Trois notes seulement. Le mi neuf. Le sol dièse diminué. Donc c'était mi neuf et sol dièse diminué. Et la fin, donc c'est mon petit turnaround. Je n'ai pas osé vous faire... Ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc là, on a une double note à partir de la deuxième case avec le doigt numéro 1 sur la corde de si, la deuxième corde. Et puis le petit doigt, lui, il va rester. Toujours la cinquième avec le petit doigt en position. Vous pouvez changer de doigté sur la corde de si. Vous avez un deuxième tour où on va jouer à peu près la même chose. Je ne vais pas revenir dans les détails. La dernière partie, ça c'est ma partie préférée, c'est les derniers accords qui vont conclure, qui vont clôturer notre étude. Alors là, je vous ai fait des super beaux accords sur six cordes. Alors le premier, on s'en occupe pas du premier, c'est surtout le dernier, donc on va résoudre en fait par un petit chromatisme sur un La7. Mais attention, c'est pas un La7, bien sûr que non. C'est un La6, 9, majeur, 7. Désolé, mais qu'est-ce qui sonne bien? Et ensuite, demi-ton plus bas. Vous savez, chaque style a sa manière de conclure. J'allais pas vous proposer de faire... Donc ça, c'est beaucoup plus adéquat. Et alors là, je tiens comme ça avec ma main, le corps, et j'essaie de faire bouger pour avoir un très très léger vibrato. Et pas question de faire... Après, peut-être avec un Bixby, vous pouvez faire des choses sympas. Bon, essayez, je ne sais pas, je n'en ai pas. Donc. Mais je pourrais croire que voilà, c'est la fin la plus douce qui soit.
Allez, je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger les tablatures au format PDF et au format Guitar Pro. Alors, c'est pas pour vous les faire payer, c'est surtout pour vous inviter à contribuer, à m'aider à construire cette chaîne, parce que vous savez, c'est énormément de travail de mettre des tutos en ligne. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir devant la caméra, elle serait déjà posée et tout serait facile et les notes s'écriraient toutes seules. Donc, merci beaucoup pour ça, vraiment, votre support est super important. J'en profite parce que ça, c'est un tuto un petit peu jazz et je sais qu'il va y avoir moins de monde qui va le regarder. Et ceux qui le regardent, ce sont des personnes qui comptent vraiment pour moi. Et pour ceci, un très grand merci. Voilà, ça suffit le blabla. Je vous retrouverai dans d'autres tutos jazz très très bientôt. Bye bye.